Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve du coup pour le troisième épisode. Donc j'avais tourné les deux premiers à la suite. Et là j'ai fait une pause de quelques jours avant de reprendre. On va rechanger de perso, tiens, ça change pas grand chose, mais bon. Vous voyez, aventure toujours. Et donc on se retrouve pour cet épisode 3. Une vie en plus, j'en avais besoin. Voilà. Ça va, comme c'est assez simple. Il y a un aspect dont on n'a pas parlé, puisqu'on a dit que ça ressemblait beaucoup à... à Donkey Kong Country, mais on n'a pas beaucoup parlé de cet aspect, c'est l'aspect graphique. Moi, je trouve ça plutôt... c'est le moteur Unity. Je trouve ça plutôt mignon, déjà. Et c'est pas mal, le petit décor en arrière-plan, tout ça, c'est... Regardez le petit effet de soleil. Tout ça, c'est pas mal. Je trouve que... Ils ont fait quand même des efforts pour faire quelque chose de sympa. Après, c'est évidemment que techniquement, ça n'a rien d'extraordinaire. Voilà, mais... Mais ils ont quand même fait en sorte de faire quelque chose de sympa. Donc moi je trouve ça pas mal. Pas mal du tout. Maintenant. Ce type de jeu, on sait que c'est jamais. C'est jamais l'objectif hein, d'être une claque, mais bon, si on va par là, Donkey Kong Country. Oh merde! Oh le con, vous voyez? Pas concentré. Attention parce qu'il y a des pics au-dessus. Si on voit par là, Donkey Kong Country n'a jamais été une claque visuelle non plus. Enfin, les premiers sur Super NES, si. Parce que faire ça sur Super NES, c'était quand même assez fou. Mais le Tropical Freeze et tout ça, c'est pas plus joli que ça. Hein. Après, ça va être une question de goût en termes de direction artistique, mais au niveau technique, moi je suis un peu cotorep là. Voilà. Allez, un ticket. Donc on a vu à quoi ça servait les tickets. Hein. Ça va servir à avoir ces niveaux bonus là qui permettent d'avoir 150 vies. Comme si on en avait besoin. Là. Alors là, on va pas faire le con et y aller doucement. Là, il y a des pics. Ah, attendez. Voilà. Une de plus, hein. Oh!
Oh bah voilà. Il en avait besoin finalement. Complètement con le gars. Voilà. Hop, tout ce qui m'intéresse, c'était d'avoir la plume. Ça, je l'ai dit, hein. Par contre, on va pas forcément chercher tous les bonus, tous les trucs et tout. Mais si on tombe dessus, on va évidemment aller les chercher. Attendez. Voilà, que je fasse pas le cotorep. Voilà, on va récupérer la vie que j'ai perdue bêtement. Bah alors, comment je fais là? Ah voilà. Ça me paraît assez fou qu'on puisse pas la récupérer. Il en manque une seule plume. Oh! Allez, je pense qu'on devrait la croiser bientôt cette plume. Merde. Ah, c'est pas possible. Ouh. Allez. Attendez, il y a des bonus par là. Ah, bah ma dernière plume, où est-ce qu'elle est? Attendez. Là-bas, il y a un crochet. Ah bah elle est là. On va aller la chercher. Et voilà. Et nous voilà à la fin donc du premier niveau de ce deuxième monde. Là on a tout trouvé en plus. Ah non il nous manque. Ouais si non en fait c'est le petit chronomètre qui nous manque. Parce qu'on n'a pas fait le contrôle à montre. Ok. Par contre, je crois qu'après ce monde-là, c'est terminé. Hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre monde.
Alors, on y va. Il y a une première plume ici. On va aller la chercher, hein. Yeah, c'est le niveau, c'est à base de ça. Attendez. Voilà, je sentais le truc là. Par contre, je peux plus me raccrocher de là. Ah, putain. Allez. On va pas faire les fous pour les trois trucs qui sont en dessous là. Toc. C'est plutôt sympa. Moi j'aime, franchement j'aime bien les environnements. Moi je le trouve. Poing, poing, poing. Et une plume. Moi je le trouve plutôt sympa au niveau visuel. J'ai lu quelques critiques, franchement. Genre que ça n'avait pas d'âme, je sais pas quoi. Enfin. Comment je peux faire là? Ah voilà. Ah, je suis désolé, mais. Quand on voit certains jeux Nintendo depuis un moment, bon. Parler d'âme, moi je veux bien, hein, mais bon. Moi j'ai toujours dit le jugement, très souvent, bizarrement. Oh merde. Il est différent selon le nom de l'entreprise sur la boîte aussi. J'ai remarqué ça. Là, je perds un temps fou. Enfin, y a certains studios qui feraient ce que fait Rockstar ces dernières années, par exemple. Il se ferait éclater. Rockstar, ça commence, mais c'est pas non plus. Voilà, Nintendo, c'est pareil. Ils font des trucs, franchement, parfois. Je lui dis, mais. Quand je vois ce que prend Ubisoft, quand je vois. Il y a des moments, je suis désolé de vous dire, mais Nintendo, c'est pas mieux, hein. Quand je lis les critiques sur IE, par exemple, alors IE, oui, effectivement, il y a un moment où, voilà, ils ont grave déconné, mais quand j'ai lu qu'ils ont racheté Codemaster, quand j'ai lu les réactions et tout, on a l'impression que Codemaster, ils faisaient que des choses extraordinaires, et maintenant, ils vont faire que de la merde. Vous avez vu Grid Legends?
Merde. Je crois que j'ai anéanti ma seule chance d'aller chercher la plume qui est là-haut. Bah tant pis, hein. Vous avez vu Grid Legends, c'est quand même. On a l'impression que le Grid de 2019 c'était une bêta à côté. Ce que ça va proposer en termes de contenu, machin, et c'est IE qui est derrière. Et le problème c'est que Codemaster, depuis quelques temps, bah c'était. Je suis désolé de le dire, mais en dehors des F1. Tous les autres jeux, moi j'avais cette impression, enfin quand on voit ce qu'ils faisaient il y a quelques années. Quand on voit ce qu'ils faisaient il y a quelques années sur les dirt, les grids et tout, qu'on voit maintenant. Avant, t'avais des menus, même rien que les menus, des menus animés dans des caravanes, dans des trucs. Maintenant, t'as des menus basiques, tout. Enfin, voilà, t'as... En termes de mode de jeu, de carrière, de machin, souvent, t'as le strict minimum. Donc non, je suis désolé, mais pas mal. Donc non, pour moi, ça a pas fait que du mal que lui rachète Codemaster. Ouais, il nous en manque une, malheureusement. Allez, on va continuer. Alors, je pense qu'on va pas faire ça en un seul épisode, hein. Yep. Ah non, ça va derrière le pic en haut, d'accord. Parce que j'ai eu peur qu'en remontant, il nique aussi le truc. Ouais, il commence à y avoir des trucs qui tombent et tout. Oh là là là. Je fais nimpe. Bon. On est arrivé jusqu'au premier point. Ah, c'est pas le moment de faire handicapé.
On a pêché la plume. Waouh. Attends. J'ai envie d'aller voir là-haut. Ça serait bien d'avoir une 49e vie quand même. Évidemment, je saute pile dessus. Hein. Ça fait beaucoup de choses à éviter en même temps là, hein, pour mon talent limité. Dans le trou. Voilà. Oh, bien là, attendez, parce que là, il y a les grosses. Et en plus, il y a une petite. Wouah ! Pas mal, allez, une 50e vie. On en avait besoin. Oh, j'aurais perdu. Hop là, on a la plume. Ce genre de niveau, course-poursuite. J'ai pas trop le temps là, les gars. Oh merde! Oh merde! Bah ouais, mais là, pour le coup. Oh non! Oh là là. Là, faut que je regarde comment on fait parce que j'ai pas eu le temps d'analyser, hein, franchement. Ah oui, il y a un trou là, d'accord. Ah, j'avais pas eu le temps de voir le trou. Ah, il me manque une plume. Attendez. Et voilà, bon. Ça s'est plutôt pas trop mal passé. Là-bas, ils annoncent qu'il faut 40 plumes pour aller au truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ouais, bah on va le faire. Écoutez. On va continuer.
Ah, vite, vite, vite. Ça, tout ça, c'est bonus, hein. Ça va faire des vies à la fin. Hein. Merde, j'ai raté le coffre qui est là. Ah, c'est dommage. Ah, j'ai plus moyen d'y aller. Bon, c'est pas grave. On va récupérer pas mal de vie quand même. Voilà, 58 vies, bon. Ça devrait aller. Hein. Hop. Hop. Il en faut 44 quand même. Après, c'est normal que ça se corse un petit peu et qu'ils en demandent un peu plus, hein. Il demande 8 tickets, je crois, pour le prochain, mais je pense que ce sera pas utile. Hein. Bon, ça fait un ticket de récupérer. On va continuer parce que je vois on est presque à la fin du monde, alors tant pis, on va faire un épisode un peu plus long. Voilà, j'allais dire, on va jamais voir au début des niveaux. S'il n'y a pas des bonus cachés, ben voilà. La première plume, elle était là. Oh merde. Ça, je sens le truc un peu. Mais regardez encore les décors là, encore une fois. Ben moi, je trouve ça super, super sympa en termes de DA. Vous allez me dire que c'est assez classique et tout. Mais... Moi, j'ai lu... Franchement, j'ai lu des critiques sur ce jeu. Parfois, je me dis, y a des gens, ils sont. Oh, salopard. Il y a des gens, ils sont dans l'abus. Et que je suis convaincu que ce qu'ils ont reproché là à ce jeu-là. Il l'aurait largement accepté. Merde! Ah, le con! J'ai sauté trop loin. Bon, je vais faire une coupure. Non, moi, je trouve ça... plutôt sympa là en termes de décor. Écoutez, après oui, c'est pas évidemment, on n'est pas sur un jeu parfait, c'est un peu facile. Voilà, il n'y a pas
Y a pas de grosses difficultés, moi, les seuls moments là où. Voilà, où. Où ça se passe pas bien, c'est moi qui chie dans la colle. Là, par exemple. Putain, on peut pas les frapper en l'air, ça c'est chiant par contre. Voilà. Je m'en fous, j'ai récupéré la plume. Hop, on va récupérer. Je sais pas si je les ai toutes les plumes. Ah oui, si. On va faire quelques coupures sur cette vidéo. On va aller voir ce que c'est que ça, il fallait 40 plumes. Écoutez, on va faire un épisode un peu plus long. Mais bon. Ah ouais. Bon. Oh merde! Bon, c'est un épisode bonus, c'est un niveau bonus, hein. Ouh. Oh, la plume, elle est en bas. Allez, on va prendre le risque. Hop, on va aller là-dedans. Bon. Voilà. Oh non! J'ai pas sauté dans le bon rythme. Là, c'est entièrement ma faute. Oh là là! Oh, ça faisait beaucoup d'un coup, là. Il est pas facile ce niveau alternatif. Enfin, il est pas facile. Disons. Putain, à chaque fois j'ai pas le bon rythme pour réussir à me lâcher et à me raccrocher. Oh là là, bah oui, 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 bien sûr. Je m'en fous, je veux la plume, putain. Bon, tant pis.
Je veux dire, où est-ce que ça m'emmène le truc là? Ah, c'est bon. Hop. Pouf, pouf, pouf. Mais. Vous voyez, il y a des choses parfois. Là, j'ai appuyé sur la touche. Le truc était vert, j'ai appuyé sur la touche. Allez, on va arriver en haut là. Ah, j'aurais dû le prendre. Ah, dommage. Il y avait un truc bonus là-haut. Bon, on est arrivé au bout quand même. Cette vidéo, elle va être longue, même avec les cuts. Heureusement qu'au moment où je vais l'uploader, j'aurai la fibre. Mais bon, je vais être obligé de m'arrêter bientôt, parce que de toute façon... Les captures sont bloquées au bout d'un moment. Allez, on essaye d'avancer. Je crois que je vais être obligé de couper, malheureusement, quand même. Ah oui, on peut vraiment rien leur faire. Par contre, je sais pas... D'où sortent tous ces ennemis? C'est pour ça que je posais la question la dernière fois. Est-ce que... Est-ce qu'il y a une nouvelle série Marsupilami? Putain, mais c'est pas possible. Ok, ok, non mais vas-y, ils sautent dans le vide tout seul. Ce serait con quand même de faire une grosse vidéo là et de faire un épisode 4 tout petit avec juste le boss final. Mais je crois que c'est ce qui va arriver. Oh là là. Là, il se passait beaucoup de choses pour mon cerveau là. Oh merde! Mais quel con! Ouh là là, c'est passé. Ouh là 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 là. La musique est sympa aussi dans ce niveau. Oui, quand même. Là, je commence à me dire c'est un petit peu idiot là. Il y avait la plume, je crois, je l'ai ratée. Maintenant.
Oh non, non, non! Ouais, le bonus pour les tickets, on s'en branle. Voilà, j'ai plongé en plein dedans. J'ai pas chopé la plume? Il ouais, y a des petites faces comme ça et tout, c'est assez... Je crois que c'est le plus mauvais score qu'on ait fait. Hein. Mais je pense qu'on va être obligé de couper là parce que ouais, la capture va être limitée à 1 heure en fait. Et du coup, j'ai peur que ça coupe avant qu'on ait fini. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode 3 qui est très long. Donc je pense que l'épisode 4 va être court. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.